Sur les questions de santé et d'accès aux soins des exilés en France, la première chose, c'est de savoir où sont les besoins. Et les besoins, c'est que la situation des exilés conduit à un cumul de facteurs de vulnérabilité qui rendent certaines actions absolument nécessaires pour que les personnes puissent être soignées comme tout le monde, pour accéder aux services de droit commun. Les vulnérabilités, alors il n'y a pas de maladie spécifique des exilés, comme il n'y a pas de maladie spécifique des étrangers ou des migrants, mais par contre, il y a des situations particulières beaucoup plus fréquentes dans ces populations, qui sont d'une part la précarité juridique, le statut administratif précaire qui font que un certain nombre de droits sont de plus en plus restreints pour accéder aux soins. Par exemple, pour les demandeurs d'asile, le recul du droit à la sécurité sociale à un moment de la procédure de demandeur d'asile, ce qui exclut, avant que les demandeurs d'asile puissent accéder au guichet unique, les personnes du droit à la sécurité sociale, et ce qui renvoie à ce moment-là les personnes qui ont besoin de soins vers les hôpitaux qui sont déjà surchargés pour des personnes qui sont pourtant en situation régulière mais qui n'ont plus le droit à la sécurité sociale. Mais c'est aussi la question de la langue. En gros, dans l'expérience du COMED, la moitié des exilés récemment arrivés en France ont besoin d'être accompagnés par un interprète professionnel dans leur démarche de santé. Or, même s'il a été reconnu l'interprétariat récemment dans une loi de santé publique comme une prestation de santé indispensable, ça reste une prestation qui est beaucoup trop rarement sollicitée par les services de santé de droit commun et un obstacle majeur à l'accès aux soins en général, et à l'accès aux soins de santé mentale en particulier. Les maladies les plus fréquentes dans ces populations-là, au fond, ne sont pas très différentes de la population générale, d'autant plus qu'on a généralement affaire à une population jeune et plutôt en bonne santé, qui sont des survivants qui ont franchi beaucoup d'obstacles pour arriver jusqu'ici, jusqu'en France. C'est-à-dire qu'en premier lieu, ce sont les maladies chroniques, comme tout le monde, pour le dire rapidement, les maladies cardiovasculaires, les diabètes, les cancers. Aussi, ceux dont on parle beaucoup, mais qui sont de loin pas les plus nombreuses, les maladies infectieuses, la nécessité et l'intérêt de proposer du dépistage du VIH, de la tuberculose, des hépatites chroniques, mais surtout pour les demandeurs d'asile et pour les exilés en général, en raison de la fréquence des violences qu'ils ont subies et dans le pays d'origine et pendant le voyage, et qui malheureusement se poursuivent pour un grand nombre d'entre eux pendant les premiers mois d'exil en France, la question des troubles psychiques est au premier plan. Des troubles psychiques graves avec des syndromes psychotraumatiques, avec une souffrance importante, avec des cauchemars, des douleurs, des troubles de la concentration, de l'attention, de la mémoire, qui en plus peuvent avoir un impact sur les démarches administratives à accomplir, et pour lesquels, parmi les enjeux de l'accès aux soins, les besoins sont particulièrement importants en matière d'accès aux soins de santé mentale, avec des interprètes, avec des professionnels formés, si possible dans les dispositifs de droit commun, c'est-à-dire les centres médico-psychologiques, mais qui doivent être dotés de moyens supplémentaires pour faire face à ces besoins. Et en amont, pour toutes ces raisons de santé, la nécessité de pouvoir proposer dans les services de santé, de soins et de prévention, des bilans de santé qui prennent en compte la nécessité de pouvoir proposer ces différents repérages et dépistages pour l'ensemble des pathologies, et pas seulement, comme on le voit trop souvent, pour les maladies infectieuses. Les demandeurs d'asile ont dû quitter leur pays, et avec un trajet très traumatique. Souvent, ils ont subi des persécutions, c'est la raison pour laquelle ils sont demandeurs d'asile. Dans l'observation du COMED, en gros, 80% des demandeurs d'asile ont subi des violences, et un grand nombre d'entre eux ont subi des violences extrêmes, soit sous forme de torture, selon la définition de l'ONU, soit sous forme de violences liées au genre et à l'orientation sexuelle. Ces violences ont des conséquences particulièrement importantes sur la fréquence et la gravité des psychotraumatismes. Ces psychotraumatismes vont en plus être réactivés, il y a un vrai risque, à partir du moment où la situation d'exclusion, de violence va se poursuivre dans le pays d'accueil. Pendant la procédure, c'est aussi lié à toute l'incertitude sur le sort qui leur sera réservé au terme de la procédure d'asile, puisque si on regarde les statistiques, et contrairement à ce qui se passait il y a 30 ans, la plupart des demandeurs d'asile vont être rejetés de leur demande d'asile. Et ce qu'on observe sur le plan psychique, c'est que pour les personnes rejetées, souvent, les troubles psychiques qui étaient plutôt sous la forme d'un psychotraumatisme vont se transformer sous une forme de dépression, de syndrome anxio-dépressif, important,
et qui pourra durer un certain nombre d'années jusqu'à ce qu'un jour, la plupart des personnes, puisque c'est leur devenir, finissent par être régularisées sur un motif ou sur un autre. Pour les migrants qui sont récemment arrivés en France, la question de l'accès aux soins est de plus en plus difficile, puisqu'il y a eu au cours des 10 dernières années plusieurs restrictions du droit à la protection maladie. L'aide médicale État a été restreinte, le droit à l'aide médicale État a été restreint en imposant un délai de 3 mois avant de pouvoir en bénéficier. Par ailleurs, un dispositif qui s'appelle le dispositif des soins urgents et vitaux, qui permet à l'hôpital de se faire rembourser les soins qu'elle aurait prodigués à des personnes démunies et sans protection maladie, reste insuffisamment utilisé, alors que c'est un dispositif qui permet de traiter non seulement les gens en situation d'urgence vitale, mais aussi, dit la loi, pour prévenir une altération grave et durable de l'état de santé, qui donc, s'il était appliqué largement, permettrait d'aider les hôpitaux, et en particulier leur permanence d'accès aux soins de santé, à pouvoir faire face à la situation des besoins de soins en vue de prévenir une maladie grave, en vue de prévenir une urgence, et de décharger les associations humanitaires qui font ce qu'elles peuvent, mais qui n'ont pas les plateaux techniques des hôpitaux pour soigner ces personnes-là. Étant entendu que l'objectif à terme, c'est d'éviter ce genre de situation en rétablissant le droit à la protection maladie et à la sécurité sociale le plus vite possible dans le parcours, et notamment en fusionnant la sécurité sociale avec l'aide médicale État pour éviter des pertes de droits à tout moment de la procédure.